Fusillade mortelle dans l'est de l'Ukraine. Selon les médias russes, 4 personnes, 3 militants pro-russes et un assaillant auraient été tués à un checkpoint à quelques kilomètres de la ville de Slaviansk ce dimanche matin. Toujours selon les témoignages des pro-russes, 4 voitures, au total une vingtaine de personnes, sont arrivées près du barrage vers 1h du matin, heure locale. Ils ont refusé d'être contrôlés et ont ouvert le feu. Le ministère ukrainien de l'Intérieur, pour sa part, parle d'un mort et 3 blessés dans un incident entre 2 groupes civils. Un journaliste de Reuters, lui, affirme avoir vu les corps d'au moins 2 victimes.